Ouvre les yeux, Link. Il est temps de se mettre au boulot. Donc, il y a plein de gens qui ont drop le jeu parce que justement, c'est très peu aiguillé, très peu aidé, etc. Je sais que c'est ce qui fait aussi le charme de ce Zelda. Des coups. Ah, parce qu'il y a des pics. Ah, attends, où est-ce que je suis? À l'aide, la caméra, Jean-Charles. Yeah. Et où? Oh putain. Là, j'ai mal. Et en fait, c'est parce que l'énigme, c'était déjà de trouver le sanctuaire en question, avant même de... Ah oh, putain, j'ai eu peur de... Ouh, oh, le bad. Oh là 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 là, c'est une catastrophe! Ah! Ah! Bah ouais, mais vous allez faire quoi? Ah ah! Oh oh! Oh oh! Oh shit, bruh! Y'a rien dans ce tonneau! Oh là là! Faudrait que j'attire le mec là. Oh, mais là, je suis de la baise là. Il va se tourner, regardez. Oups. Je m'attendais presque à ce qu'il mette un shoot dans le tonneau. Non, 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 regardez, regardez. Il va se tourner là. Regarde, regardez, regardez, regardez. Va voir si j'y suis. Tu vas pas voir cette fois. Mais non. Arrête! Oh là là! Ok! Je trouve que Chat est trop cool. Et genre, c'est vrai que quand elle est en live, elle fait que hurler, couiner. Mais moi, elle me fait trop rire. On parle de Chat, cet être si pur et innocent qui a découvert en plein live Zelda, la signification de BDSM, en cherchant sur Google Images. Non, c'est pas possible. T'es mignon dans ta tenue de maître BDSM. Je sens que ça va être... Oh mon dieu. C'est quoi BDSM? Je vais tomber sur des dingueries si je tape ça sur Google. Oh, c'est quoi Google? C'est quoi BDSM? Quoi? Ah oh. Putain, j'étais avec Link et tout là, j'étais bien, mais ça va pas la tête ou quoi? Mais c'est quoi vos rêves de taré là? Mais vous êtes des fous! Ah, moi je mange des Kinder Pingouis, c'est tout! Mais vous êtes des malades! Mais comment j'enchaîne là? Je suis en live! Mais en plus, moi je lis ça sans pression! Des fois, il manque des refs importantes quand même, hein! Des fois, il me manque des refs importantes! Dit-elle en parlant du BDSM! C'était vraiment nul, hein! Ce que je viens de faire, c'était vraiment... Ok, est-ce que je suis sûre de ce que je suis en train de faire? Oui, c'est bon, j'ai mes repères. J'ai plus de repères. Non mais là, je speedrun, regardez. Je suis horrible, horrible personnage. J'ai vraiment apporté le laser sur les chevaux. Non, ça c'est le karma ça. C'est qui le patron? Regardez comment on va faire. Et ben voilà, je vous l'avais dit que ça allait bien se passer. Oh putain, il vient à pied. Ah, j'ai pas un truc à faire avec ça. Ah, OMG, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je voulais juste lui envoyer les rochers sur la gueule. Les fleurs Silencio sont mes fleurs préférées. J'ai décidé il y a longtemps d'offrir cette fleur à mon âme sœur si un jour je devais la rencontrer. Link. Ça veut dire que c'est toi le Void qui est censé être mon âme sœur. J'accepte, mais tu vas devoir m'avouer tes sentiments en bonne et due forme. Mais vous êtes jamais parlé? Parle. Dis ce qu'un Void doit dire à une vaille. Du genre je t'aime ou tu veux bien sortir avec moi. Elle est pas trop lourde cette chandelle, Link. Je m'appelle Zinia de la tribu Gerudo. À mon âge, les vailles de ma tribu ont l'habitude de quitter la cité Gerudo pour se chercher un mari. Et le destin t'a mis sur mon chemin. Veux-tu m'épouser?
Grave. Je plaisantais, je voulais juste m'entraîner à discuter avec un Void pour être prête le jour où je trouverai le bon. Ne le prends pas mal, mais tu es bien trop gringalé. Quoi ? Je risque de te casser en deux si je te serre dans mes bras ? Ah ouais, d'accord. Oh, elle a une quête pour moi, elle. Alors, c'était vrai, j'avais bien une chance de tomber sur le héros à l'ombre de cet arbre. Oui, c'est moi. Ah, ce que je me sens mieux, je suis ravie d'avoir pu te rencontrer en personne, ça m'a fait un bien fou d'enfin pouvoir te voir. Finalement, je me dis que t'es pas du tout mon genre. Emotional damage. Oh, la clim. Toi non plus, d'abord, j'ai... C'est quoi les deux trous qui te servent de nez, Voldemort? De toute façon, t'avais un gros cul. Et salut, poupée. T'en penses quoi de ma bécane? Link est si toxique. Hé, hey, bébé, tu montes? C'est parti. Gade comme il est beau, mon cheval. Gade comme il est choucard, mon cheval. Méga prestance, méga beauté. Je pense qu'on a dû choper quelques cours au bout de... Non mais gros, t'es sérieux là? C'est vraiment ce mini arbre qui t'a fait t'arrêter net là? Non mais il est trop dans l'excès ce cheval. Enfin, il est magnifique celui-là, c'est trop une beauté. Regarde, on dirait Jill. Ah par contre, il est nul. Désolé Jill, tu pues la merde. Ça, c'est pas très raté. Mais putain! C'est quoi? Cocoblin. Explosion. Oh, mais Jack! Mais Jack! Omelette. Omelette ! Omelette ! Oh, chère Omelette, majestueux et fier, tu es la beauté incarnée de mon jeu vidéo préféré. De ta grâce et de ta puissance, je suis émerveillée à chaque fois que je te vois. Tes yeux profonds et ta robe soyeuse font de toi un équidé unique en son genre. Ta force et ta loyauté sont uniques. Je suis honorée d'avoir un compagnon tel que toi. Omelette, mon cher ami, tu es le plus beau de tous les chevaux. Je t'aime et je te respecte et je suis fière de t'avoir à mes côtés. Que notre voyage continue sans fin et que nous puissions toujours parcourir ensemble ces chemins. Je te promets de prendre soin de toi et de t'aimer de tout mon cœur, mon cher Omelette. Yo mec, I come in peace. Je te protège. Ok, il a pas du tout envie de plaisanter. Oh non, non. Merde, merde, j'ai une arme à deux mains. Oh yes. Omelette. Omelette. Merde, putain d'omelette de merde. Ah, désolé Zelda, tout est la faute d'omelette. Good boy, omelette, good boy. Mais gros, mais t'es sérieux? Encore un peu. Oui, mais j'ai un canasson récalcitrant. Maintenant, Link. J'étais avec toi depuis le début. À chacun de tes pas, j'ai vu tes efforts, tes succès, tes combats. Je savais que tu affronterais Ganon et que tu en sortirais vainqueur. Link, héros d'Hyrule, sois mille fois remercié. Est-ce que tu te souviens de moi? PTDR, t'es qui?